Yo, c'est la Star Nest 2, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, réaction d'une vidéo d'un clip coréen. Donc j'avais déjà mis une vidéo en ligne, je sais pas laquelle sortira avant l'autre. Parce que voilà, j'avais envie d'écouter de la musique coréenne, donc let's go. Clip du coup que j'ai pas encore vu, comme toutes les réactions de vidéos que je fais. Alors, un groupe qui s'appelle EXO-K, donc EXO-K, ça se prononce comme ça, je crois. EXO-K, et le nom de la musique, c'est Overdose. Donc, je pense que ça va être. J'espère que ça sera du coréen. On va voir ce que ça donne. Apparemment, ils sont dans les meilleures vues de leur pays. On va voir ce que ça donne. C'est parti! Too much, no, yeah, your love.
Alors, que dire dessus? Que dire dessus? Alors, vous allez me dire si je me trompe. Mais j'ai l'impression que tous les groupes à succès coréens, disons, sont fans de lieux lumineux assez fermés dans leur clip. Faut qu'ils soient beaucoup, tous assez fins, et il faut qu'ils aient absolument une chorégraphie qui tienne la route. Et j'ai remarqué quand tout le monde est dans le... Quand tout le monde est dans le clip, enfin du moins tout le groupe, tout le monde doit chanter, tout le monde doit avoir sa partie. J'ai l'impression que c'est ça. Après, vous me dites si je me trompe. En tout cas, moi, ça m'a plu. C'est la musique, je pense, que j'écouterais bien. Ou alors, peut-être pas que j'écouterais, mais au moins sur laquelle je pourrais danser. Ouais. Non, je suis pour. Personnellement, je suis pour. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'était Losters. Dites-moi aussi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez des clips ou autre, si vous voulez que je réagisse, pas des films, hein, parce que je vais pas regarder un film pendant 8 jours quand même, mais ouais, un clip ou ce genre de petites vidéos amusantes comme ça, hein, auxquelles vous voulez que je réagisse, dites-moi. Ça me ferait plaisir de le faire d'ailleurs, vu que j'aime bien voir des choses que je connais pas encore. C'était Losters.